putain, ils sont dans la balançoire, ces trois-là. Et tu te débrouilles bien, mon bonhomme. C'est bien. T'as bien compris le mouvement, je suis contente, hein. C'est parce que j'ai appris chez mon ancienne nounou. T'as appris chez ton ancienne nounou? Oui. Bon, maman, elle t'a montré aussi comment il fallait faire. Ouais, c'est bien. Les vacances commencent bien. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Bonjour, moi je suis au petit déjeuner. Je me suis fait un petit chocolat Milka qui est toujours aussi bon dans ma tasse corse. Hein. Coucou Amélie. Les enfants ils jouent dehors tranquillement. Ils sont contents. Il fait super bon ce matin. Il y a du soleil, pas un nuage, mais il fait bon. JB dort encore. On est rentré tard hier. Il devait être 23h, un tout petit peu plus. Puis il a regardé la télé en rentrant. Aujourd'hui, ça va être détente ce matin, je pense. Même si au début, on avait dit qu'on ferait les magasins pour trouver la tenue de mariage de JB et puis des garçons. Andrea, je sais déjà quoi lui mettre, mais pas les garçons. Et surtout Amaury. Mais je vous disais qu'il avait un rôle spécial pendant le mariage. Je lui ai trouvé une belle tenue. Puis Maxence, au final, il n'a rien à se mettre de mariage dans ses vêtements. Donc, il va falloir qu'on fasse ça, mais on part chez des amis cet après-midi, et JB qui dort. Je pense pas qu'on aura le temps de faire ça. On verra sûrement la semaine prochaine, quoi, à partir de lundi, qui sera un petit peu le dernier délai, parce qu'après, on s'en va pour chez ma soeur, enfin, au gîte que ma mère a loué pour les vacances, il faudra qu'on le fasse avant. Donc, voilà, tranquillement. Ils sont tout gentils ce matin, je suis trop contente. Ils n'ont pas été me réveiller, je me suis réveillée toute seule, comme une grande, vers 8h30. Je suis fière de moi. Oui. Et là, c'est bon. Ah, il faut Voilà! mettre les bonnes couleurs. On joue au Mastermind, c'est la première fois qu'il joue. Et il comprend bien les règles et il trouve facilement. Je suis trop fière de toi. Et voilà, hop, on ouvre. C'est ça! T'as bien trouvé, super! Je On suis refait une hyper partie? contente. Oui, Allez, j'adore. on range. Bon, faut pas trop regarder ma tête un peu pourrie là, mes cheveux tout sales. Je vais prendre une douche là. Il fait bon, il a ouvert. Je suis un peu couvert, mais en fait, il fait très bon. Tout à l'heure, il faisait soleil, aucun nuage, et puis ils sont tous arrivés. Mais c'est pas grave, c'est très bien comme ça aussi. Puis ça évite que le soleil nous tape dessus. Donc là, tous les enfants, ils sont au lit. On a mangé ce midi, un truc tranquille, vu que je sais que ce soir, on va manger. Ça se trouve, ça va être barbecue, enfin, on va très mal manger, beaucoup boire, enfin, on sait très bien comment se passent les soirées comme ça. J'ai fait un petit plat tranquille, un poisson pané avec du riz, et tout le monde est au lit, et puis moi, j'en profite pour me prendre une petite douche, me rafraîchir, parce que j'ai pas eu le temps ce matin, au final, avec tout ce que j'ai eu à faire, gérer les enfants, parce que JB, il dormait. Donc, maintenant, je m'occupe de moi. JB, il va être devant la télé, il va peut-être se regarder des épisodes de One Piece, vu qu'en ce moment, il regarde beaucoup ça, dès qu'il a du temps. Il adore. Je sais plus à combien d'épisodes il est. Enfin, c'est ce genre de truc. Il y a 300, 400 épisodes. Et puis, oh là là, c'est quoi ça? Est-ce que j'ai comme un insecte qui vole sur mon plafond là? Là, c'est ouf. C'est vraiment bizarre. Bon, vous voyez pas trop. Oh, c'est ouf. Ah, j'ai du mal à le suivre. Ah, c'est bon. Il est parti. C'est bon. Oh, ah, c'était bizarre. Le corps, il était presque coupé. Vraiment bizarre, en fait. On aurait dit qu'il y avait deux parties de corps, une grosse, une toute fine et une grosse. C'est, oh, c'était vraiment trop bizarre. Mais c'est reparti, nickel. Bon, bah, je vais pouvoir prendre ma douche maintenant. Bon, voilà, je suis prête. Je me suis mis une petite jupe avec des cerises. Je sais pas si vous voyez bien. Je me suis fait les ongles des autres pieds aussi. Enfin, refait, parce que j'avais quand même, genre, deux ongles, trois ongles sur 12 faits. Donc, il était... Je vais fermer ça dessus. Donc je me suis tout refait, comme ça c'est tout beau. Oui, je suis contente. Et je suis contente, je rentre encore dans ma jupe cerise. Donc moi on prépare quelques affaires et puis après, il va être quelle heure? 15h moins 10. Donc après on va réveiller les enfants. Et puis on va partir tranquillement. Regarde papa, hein? Ça va là-haut? Non, c'est déjà bien là. Allez, je descends. Allez, on descend et on part? Tout seul? Tu sautes? Nous, on est prêts à partir. Il est 15h15 à peu près. La puce, tu viens?
Viens dans la voiture. Viens. Elle attend son père. Là-bas, tranquille. Elle a demandé à mettre son chapeau comme une grande. C'est vraiment trop mignon. Elle grandit vachement, je trouve, en ce moment. Tu t'attaches à Maury? Maxence, installe-toi à ta place et attache-toi, s'il te plaît. Comme un bébé. Ouais. Il a voulu se mettre dans le siège de sa sœur. Ils sont bien, là, installés, tous les deux? Oui. Alors, chacun dans son siège auto. Et tu fais... Ah, tu te réinstalles à la place de ta sœur. Tu arrives, à Maury? Vas-y, tire plus fort. Tire plus fort. Moi, c'est comme non, vas-y. Moi, je suis un bébé Maxence. C'est bon, il y en a beaucoup, là? Tu peux faire? Oui. Vas-y. T'as trouvé le trou? Coucou. Non? Non. Je vais le faire. On commence à partir en vacances. C'est pour ça. Coucou. Bah, nous, là, on est à l'arrêt. On est... Vas-y, tu voulais dire quoi? On est beau. On est beau. Ouais, on est beau. Oui, tiens. Oui, on est beau. On est beau, on est beau, on est beau, on est beau. Maman, elle est en robe. Oh, j'ai mis une jupe. J'ai mis une jupe et un débardeur. Maman, elle est en gros cheveux. Maman, de quoi? Maman, elle est en cheveux. Oui, j'ai laissé détacher pour sécher tranquillement. Maman, elle a pinche. C'est bon, je peux parler maintenant? Papa. Donc, papa, il et est chez le... Et elle a des lunettes. Donc... Et on est dans la voiture. Et maman est donc, papa il est chez le fleuriste, on prend des fleurs pour Marlène parce qu'en fait le cadeau qu'on lui a pris, il n'est pas encore arrivé. C'est son anniversaire. Oui. C'est parce que c'est son anniversaire. Blablabla. On est en... Marlène, c'était l'anniversaire la veille de JB. Et donc on lui prend un bouquet de fleurs parce que le cadeau qu'on lui a pris, il n'est pas encore arrivé. Et puis je trouve que ça se fait. On trouve que ça se fait pas d'arriver les mains vides. Donc on va lui prendre un petit bouquet de fleurs tout simple. Pour qu'elle ait une petite attention aujourd'hui, vu qu'on va fêter les anniversaires de JB et Marlène. Arrêtez derrière, là. On en a tout juste pour une heure de route. On arrive vers 4h30, donc possible, c'est parfait. Foncer dans un... Et Maxence, il s'amuse à dire n'importe quoi. C'est possible, faire un rotateur. Et donc, à Maury, c'est encore pire. Enfin, chez nos amis. Avec son maillot de petit brassard, va dans la piscine. On y va? Allez, c'est parti! Bravo ma puce! Oh, je suis trop fière de toi! Tu fais toute seule comme une grande! Bon, ça va être bien cet été! On se retrouve le lendemain matin, après une mauvaise nuit parce que ça n'a pas été bon du tout. Ces enfants-là ont très mal dormi. On a tous dormi dans la même chambre. On peut prendre un petit déjeuner, s'il te plaît. Oui, bah oui, là maintenant, on va aller se prendre un petit déjeuner, il est 9h. Et puis, je voudrais qu'on fasse une balade. Une balade? Une balade pour aller au parc. Pour aller au parc, ouais. On verra, tiens, on verra avec papa, ça pourrait être intéressant, ouais. Ça. Papa, la petite puce, elle est là? On est tranquillement dehors, il y a du soleil. Donc la nuit n'a pas été top. André a bien dormi, Amaury il a fait que de se lever, Maxence aussi. Le matelas gonflable, ça fait tellement de bruit que ça les dérange. Donc moi aussi, ce qui fait que j'ai très mal dormi. Je pense que je dormirai beaucoup mieux ce soir à la maison, tranquille, chacun dans sa chambre. En tout cas hier c'était une bonne soirée, vraiment bien. Leur piscine elle est top, leur maison elle est super. Oh, je l'aurais acheté, mais elle coûte trop cher. Mais j'aurais acheté la même maison. Et je joue tranquillement la puce. Mais c'est pas des joujoux ça.
Ah. Avec les garçons. C'est bon, vous pouvez jouer tous les deux. Ils te regardent, d'accord? Ça fait n'importe quoi. Comme ouais. On va prendre le petit déjeuner, la puce. Seb, il a ramené croissant, pain au chocolat, baguette, ça va être bien. Non, les enfants, il y a juste la place pour les grands. Vous allez vous mettre ici, comme hier. La petite table exprès pour vous, ça va être bien. Oh, si. Oui, avec tous les enfants. Alors, la puce... Non mais la puce elle s'installe mais après elle vient avec vous. Je vais manger. Je pense que la chaleur ça a empêché de manger. Donc nous là maintenant on va manger tranquillement. Puis après on... Ah j'ai oublié un truc en bas. Je pense qu'on va faire un petit plouf aussi dans la piscine avant de partir. Je sais pas trop à quelle heure on va rentrer. Mais on verra bien. En tout cas on passe un bon moment, c'est vraiment un bon week-end. Ça fait plaisir de retrouver les amis comme ça. Bon, j'ai les cheveux un petit peu dans tous les sens. On a fini de manger tranquillement. Sous la terrasse, enfin sur la terrasse, je vais plutôt me changer là. J'ai Andrea qui est au lit, je l'ai couchée, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais plus. Elle était fatiguée, elle a à peine mangé ce midi. Hop, je vais me changer là. J'ai pas envie d'aller réveiller la puce alors je la laisse. Heureusement le maillot de bain était plus dans la chambre. Mais, ah c'est bon, c'est rien. Donc là on est parti se baigner, hein. On a attendu un petit peu après avoir mangé. Puis là maintenant on va... Ils sont tous dans la piscine, là j'allais les rejoindre. Que je me change. Coucou Izzy, t'es venue avec moi? C'est la chienne de Marmène et Brian. Hop, attendez. Ben, ça va. Coucou. C'est bon, elle est partie. Elle m'a suivi jusque là. Donc là, un petit coup de piscine avant de rentrer. Je sais vraiment pas quelle heure on va partir. Mais ça fait plaisir, ça fait super du bien. Là, les enfants, ils s'éclatent, ils sont en train de sauter dans la piscine. C'est vraiment super. Ça a un bon avant-goût des vacances en fait. Avec mes parents qu'on va aller dans la Drôme. Je crois que le truc, c'est dans la Drôme. Il y a une piscine et puis il y a une rivière dans le gîte où on va. Donc ça va être vraiment super. Donc je vous laisse et puis je vous reprends tout à l'heure. Nos deux ils sont endormis pendant le trajet. Ce soir, on mange au resto. On a quitté nos amis. Oh là, j'ai les cheveux dans tous les sens, j'avais pas vu. On mange au resto, mais Andamouri s'est endormi tellement il est fatigué. Tu viens, Montaoui? On se réveille. On va manger. Ouais. C'est qui va aller manger au restaurant? Oh, c'est dur. On va manger? Allez, on y va. Puis ça veut enlever ses chaussures dans la voiture. Belle. De quoi? Ah oui, je suis d'accord, elle est trop belle. Elle est trop belle. Mais les chaussures. Bon bah finalement on est au Léon d'Épinal. Parce qu'il n'y avait pas de place au Léon de... Regardez là. De Nancy. Regardez la voiture, oui. Elle est trop belle. Bah oui elle est belle, j'ai montré. C'est une je sais pas ce que c'est. C'est une Jaguar, une vieille Jaguar. Papa, hop. Regarde la vieille Jaguar. Oui c'est une vieille Jaguar. Belle. Bon, ah oui, elle est très belle. On va aller manger. Ouais.
comme vous voyez, on est bien rentré à la maison. Toujours avec mes cheveux dans tous les sens, mais en fait, je les ai pas rattachés depuis, depuis l'autre fois. Je les ai laissés comme ça. Oh, j'ai mal au bidou, là. Et ce soir, on a beaucoup mangé au restaurant, là, au Léon, avec Marlène et Brian. Moi, c'était super. On a vraiment fini ce week-end en beauté. Finir au resto tous les 5. Enfin, tous les 5. Tous les 4. Tous les 8. C'était vraiment super. En tout cas, ce week-end, entre amis, c'était bon. C'était bien. C'est ressourçant. Ça fait un plaisir fou, je trouve, de se retrouver tous ensemble. Surtout chez nos amis chez qui on était. Ça faisait longtemps qu'on les avait vus. Donc, c'était vraiment super. Mais moi, je vais vous laisser maintenant parce qu'il est minuit. Je suis crevée. Ce week-end a crevé tout le monde. Donc, je pense que je vais aller me coucher. Et je vais monter mon vlog, celui-là, donc demain. Parce que je ne suis pas capable de le monter ce soir. Je suis trop naze. Donc, si ce week-end avec nous, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ça fait très plaisir. Et je vous donne rendez-vous demain dans une prochaine vidéo. Bye bye.